Les cartes indicatrices. Alors, les cartes indicatrices, il s'agit de quatre cartes qui doivent me fournir des indices pour m'aider à retrouver deux cartes que nous allons choisir au hasard. Là, ces dés, je vous montre que à chaque fois, ce sont des chiffres différents, donc les dés ne sont pas truqués. Et je vais donc lancer les dés là, une prochaine fois, et là, on prendra à ce moment-là les chiffres qui s'affichent sur le dessus, c'est-à-dire ici 8. Et on va prendre donc la huitième carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la huitième carte, ça aurait pu être la septième, ça aurait pu être la neuvième carte, mais c'est tombé sur le chiffre 8. Je vais maintenant couper le jeu, peu importe l'endroit, et je vais prendre encore une deuxième carte, donc choisie librement. Ça aurait pu être la carte suivante, ça aurait pu être celle d'avant. Bien, donc j'ai maintenant deux cartes choisies librement. Et mes cartes indicatrices vont devoir m'aider à retrouver ces cartes. Valois magique, j'ai une carte indicatrice qui se retourne. Et elle m'indique que normalement une des cartes serait du carreau. Valois magique, donc là je vois que j'ai également d'autres as. Et donc il faudrait a priori que je fasse la somme des valeurs de ces quatre as pour connaître la valeur de la carte qui aurait été choisie, du moins de l'une des cartes qui aurait été choisie. Alors je vais me servir donc de ces as comme d'une boussole pour qu'il m'indique quelle est la carte qui correspondrait a priori au 4 de carreau. Ah, il semblerait que ma boussole m'indique cette carte. Et si je vérifie, effectivement, c'est un 4 de carreau. Alors, pour la deuxième carte, je ne pourrais pas faire la somme de mes as. Mais comme ce sont des cartes indicatrices, elles vont peut-être m'aider et me fournir un premier indice. Le premier indice, c'est une lettre, le R. Un deuxième indice, une deuxième lettre, un O. Et un troisième indice, une troisième lettre, qui serait un I. Cela forme un mot et mes as m'indiquent donc que la carte choisie serait un roi. Mais un roi de quoi? Un roi de... Si je retourne le jeu, un roi de trèfle. Donc un roi de trèfle serait l'autre carte choisie. Effectivement, c'est un roi de trèfle. Mais mes as ne sont pas seulement des cartes indicatrices, ce sont aussi, Valois magique, des cartes magiques, puisqu'elles se transforment en 4-4. Et avec un véhicule 4x4, on peut atteindre des sommets.